Gagner vos allers-retours au soleil, parce que bon, les vacances sont finies, mais on pense quand même au soleil. Eh oui, les prochaines vacances, faut les préparer. Ouais, et on c'est, est, ça, ouais. C'est ça, on commence déjà à les préparer. C'est le premier truc qu'on va faire en cette rentrée, là. Premier cadeau qu'on va vous offrir, les vacances au soleil. Bon, content d'être avec vous. On va parler des dessous maintenant, Romano. Oui, les dessous féminins préférés des hommes. Les dessous féminins préférés des hommes. Alors. T'as mis quoi comme dessous, toi? Un string tanga. Ah, c'est un string bon, tanga, c'est vrai. Je voudrais vérifier si tu ne mens pas ce matin. Ah ouais. Ouais, moi aussi. Je voudrais faire une... parce que on te connaît pas très très bien encore. On veut voir si t'es pas une mytho. On veut voir si t'es pas une mytho. Allez, vas-y, montre-nous. Allez, fais voir. Allez, vas-y, montre-nous. Et à 9h, on a déjà la première plainte pour harcèlement sexuel. Je le montre à Cédric parce qu'il est juste à côté de moi. Vas-y, Cédric. Ah ouais, putain. Attends, avec un voir. Peu de dentelle et du tag. Ouais. Génial. Voilà. Attends, approche un peu de moi, toi. Bon, l'émission est. L'émission est un peu trop chaude pour 6h10. Cédric, pour refroidir un petit peu tout ça, qu'est-ce que tu as mis comme dessous? Moi, j'ai mis un boxer. Tu veux le voir? Non, merci, c'est bon. Tranquille, je crois, c'est que t'es pas un mytho. J'enlève ma ceinture, t'es sûr? Je te crois, Cédric. Bon, Romano, tu nous as dit que tu avais un caleçon tout neuf, tout propre. Ouais, quoi, tout neuf, j'ai un caleçon, quoi. Je vais pas le voir non plus, hein, non, c'est gentil. Ouais, non, il est pas tout neuf, celui-là, non. Et c'est l'heure, donc, des conseils. Non plus. Des conseils, bah, qu'est-ce que vous mettez, vous? Je mets ni slip, ni boxer, je fais respirer le matos, nous dit Fab du 56. Fab, lui, c'est pratique, à la limite, hein. Ouais. Quand t'as envie de pisser, ça te fait ouais, un peu moins enlever. Ouais, mais ça pique le bout. C'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Ah bah, quand tu remontes la braguette. Ah oui, ah bah, parce que là, mettez des jeans à boutons. Voilà. Comme le visage de Cédric. Ou des jogging. Oui. Là, ça le comme, ma blague de comme le visage de Cédric ne marche plus là sur non. ce coup. Hein. Bon, allez, c'est parti. Conseil pas cher. Vous êtes prêts? On va chanter, ouais. Allez, ah, est-ce qu'on chante encore? Bah oui, bien sûr. Allez, on chante encore. Vous pouvez chanter chez vous. Ça met de bonne humeur au réveil là. Allez, c'est parti. Les conseils pas chers. Comment gagner de l'argent grâce au dessous féminin? C'est les conseils pas chers. 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 Oh, on sent que c'est la rentrée, que vous avez pris des forces pendant les vacances. Hein. Alors, attention, pour les hommes, oui. le dessous féminin le plus sexy, c'est plus le string, c'est le shorty. Les hommes sont 44% à kiffer le shorty. Bon, ils sont quand même 50% à aimer aussi qu'il n'y ait rien en dessous. Ah, ouais. J'en avais. Ça, c'est les périodes de crise. Tu mets rien en dessous, ça ne te coûte rien du tout. Et le shorty, tu peux le mettre toi aussi. Tu peux l'échanger avec ta copine. Ouais, quoi, s'il est en dentelle. C'est sexy, Romano, tu sais. C'est tendance. C'est métrosexuel, comme on dit. Demain, t'arrives en string, en shorty à dentelle, ça me fait chelou. Eh bien, je vais peut-être vous surprendre. Soyez à l'écoute demain, je vous surprendrai peut-être. Uh-huh. Eh bien, ce matin, je vais aller refourguer du shorty aux familles, du bon shorty sexy, cuir, dentelle, clou et compagnie, quoi. Ah, ça c'est sexy, ouais. Ouais, si vous avez un truc à mettre et que vous avez un truc à clou chez vous, n'hésitez pas, c'est super sexy pour démarrer la rentrée là. Bien pratique. Bien pratique. Bon, c'est qui qu'on appelle? Ah, on appelle chez Pierrot. Et on appelle chez Pierrot. Allez Pierrot. C'est parti. Allô? Allô? Allô, c'est la femme à Pierrot? Oui. Oui, il est là le père Pierrot? C'est de la part de qui? C'est un copain à lui, c'est pour te faire une petite surprise ce matin, là. Ah, bon, d'accord. Eh oui. Ah, tu vas être contente, hein. Ah, bah, elle est contente. Oui. Elle est contente. Oui. Ouais, Pierrot. Oui. Ouais, bonjour, comment ça va? Ça va. D'ivoire, là, l'autre fois, j'ai croisé ta femme, là, j'ai vu qu'elle avait une grosse culotte sous son pantalon. Et ce matin, je voulais lui amener un petit shorty, là, c'est le truc à la mode en ce moment, là. Ah ouais? Ouais. Donc, je peux lui amener un petit shorty qu'elle essaye devant moi. T'aimes bien quand ta femme elle s'habille sexy, hein? Un shorty rouge avec des clous. Oui. Et un peu de cuir. Ça va être très beau. Elle est contente, je l'entends derrière. Elle met quoi comme habit sexy, ta femme? C'est bon, un peu tout. Un peu tout. Elle est sexy quand elle est en culotte. Elle met une robe de chambre le soir. Ça dépend. Ah, ouais. Ça dépend. Ouais. Bah, qu'elle la mette pas trop, ouais. Elle la mettra pas ce matin qu'on essaiera le shorty. Mmh. Bon, bah écoute, j'arrive et puis ça te coûtera seulement 20 euros, c'est pas cher. A tout de suite. Est-ce que tu voudrais un shorty pour toi? Non. Tu veux pas un shorty? C'est de la part de qui, là? C'est un copain. Allez, je me pointe dans 5 minutes. A tout de suite. Non, mais c'est parmi, là. Ah, bah si, on va. Tu m'as remis. T'as parmi quoi? T'as parmi ta culotte? Non. Ah, mais t'es une grosse cochonne, dis donc, toi. Une cochonne. Hey. Il doit être content, Jacques. C'est Jacques? Non, c'est Pierrot. C'est Pierrot. Il doit être content, Pierrot. Jacques, c'est le voisin, t'imagines? Ah, Pierrot, il est content, hein. Bon, ben, on arrive, de toute façon.
À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Et voilà. Et bien voilà. Et un shorty à 6h14. Il a déjà vendu un truc, mais qu'il est fort. Ça te manquait, les conseils pas chers. Ça m'a excité, là. C'est normal. J'en peux plus. C'est pas le shorty qui l'excite, hein. Je précise pour tous les nouveaux et les nouvelles auditrices, nouveaux auditeurs, nouvelles auditrices. Non, mais c'est de gagner de l'argent, quoi. Oui, ça l'excite beaucoup plus que tout le reste. Hein. Ah, Pierrot et sa bonne femme en shorty rouge à clous. C'est vrai que t'as commencé très sexy. Ah ouais, terriblement. Bon, on va jouer tous ensemble, là. Toute l'équipe, vous tous et vous toutes, dans un instant, c'est l'heure de l'invité mystère. Les conseils pas chers reviennent dans une heure. C'est en cornichon. Bon, c'est parti pour les conseils pas chers. Comment manger gratuit pas cher le matin? Ouais, bah c'est grâce à la pub Nescafé. Ah ouais, la pub Nescafé. Nescafé où le mec il explique qu'il veut aller tester ses amis Facebook et voir si ils sont prêts à lui payer un café. Ah oui, tout le monde l'a vu cette pub. Ouais, ouais, le mec il est avec une tasse, avec une caméra qui se filme lui-même. Tu vas nous expliquer comment tu vas faire maintenant. C'est parti pour les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. Attention. C'est les conseils pas chers. Voilà. Et ouais, les conseils pas chers. Donc, le test Nescafé Facebook maintenant. Ouais, c'est ça. Je suis ton ami sur Facebook. Je viens boire un dernier café chez toi. Ouais, si j'arrive à le dire. Le mec, je crois qu'il va flipper. Ah ouais, je viens prendre un café. Ton ami Facebook. Le mec va se déconnecter de Facebook. Oh putain, il y a des mecs chelous là-dessus. Ils sont bizarres. Non, les t'as gens. Pas la pub là. La pub Facebook. Alors, la pub Nescafé Facebook, c'est ça que vous avez peut-être vu à la télé. Salut, moi c'est Arnaud. Salut, moi c'est Romano. Si vos amis Facebook étaient vraiment vos amis, pour avoir la réponse, j'ai accepté de faire l'expérience moi-même avec mes vrais contacts. Alors, j'allais prendre un café avec eux. Comme bon. Ça, à l'improviste. Bon, moi, c'est pas mes vrais contacts. Hein, c'est jamais sur qui on tombe, je préviens avant. C'est pas mes vrais contacts. Hein. Alors, c'est qui qu'on appelle, Cédric? Là, on va chez Serge. Allez, c'est parti. Ouais, c'est Serge. Pas facile à dire. Hein. Ouais. Allô, oui. Allô, Serge. Oui. Ouais, comment vas-tu? C'est qui? C'est Patrick. Eh oui, comment tu vas? C'est Patrick. Ça va, alors quoi de neuf? Bah, tout va bien. Tout va bien, tranquille. T'es chez toi, là? Ouais. Ouais, je peux passer te voir, vite fait. Et où, là? Bah, là, je suis dans ma bagnole, là. C'est quel Patrick? Attendez, parce qu'il y a plusieurs Patrick. Patrick. Chirac. Patrick. Du camping. Eh oui. Patrick du camping. Eh, Patrick du camping. Et là, je suis de passage dans le coin. Là, je suis avec un copain. On est dans la bagnole. Hein? Ouais, je suis dans mon copain. Non, t'es pas dans moi. Non. Je suis dans mon copain. On est dans la voiture. Ouais. Ouais. Et puis on va passer chez toi. On va prendre un petit café. Oui. Oui. Bon, on arrive dans 5-10 minutes. Ouais. Ah bah, fais chauffer le jus. Hein. D'accord. Ah, tout de suite. Fais chauffer le jus. Je suis dans toi. C'est chaud. T'es chaud, Patrick. Hein. Il est chaud, Patrick. Ah, il est bouillant là. À tout de suite, Patrick. Chaud bouillant. Ah bah très bien. À tout de suite, Patrick. Serge, pardon. Bisous. Ouais. Ah ouais, c'est Serge. Bah, c'est moi, Patrick. Attends, remets-moi un peu en place. On va te remettre. T'inquiète, je vais te remettre le bassin en place. C'est très chaud, t'as vu? On va te mettre du jus. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va lui remettre en place le bassin. On va te remettre en place le bassin. C'était bien les vacances au camping? Oui. Et oui. Tu sais, quand on regardait quand tu prenais ta douche au camping. Ah ouais. On avait fait un trou dans la douche. Oui. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, t'as un gros kiki, hein. Ah ouais, ouais. Ouais, vraiment, ouais. C'est pas là. Bon, bah, elle partit pas, c'est que Daniel, elle soit contente au moins avec ça. Ah bah, la Daniel, bah, nous, on l'a attrapée dans les douches au camping. T'as pas dit? Non, ah bah, c'est qu'elle a pas trop souffert, parce qu'elle aurait souffert, elle me l'aurait dit. T'as vu, je t'avais dit que t'avais un tout petit machin. Ah bah oui, mais bon. Mais apparemment, tu sais, ça ne doit pas y avoir fait trop d'effet, parce qu'elle a pas de souvenir de ça, hein. Tacatam. Ah oui, attends. Bien. Bon, bah écoute, on arrive dans 5 minutes, on va voir ça. À tout de suite. C'était le roi de la blague. Bisous. Le roi de la blague, lui. Ah ouais. Et ben voilà, un café, c'est parti. Et ben voilà, un café. Parti pour le café. Bon, Karim Bou. Karim Boubou. Boubou. C'est Boubou. Bientôt, tu iras tester ça directement chez les familles. Comme ça, tu iras te faire casser la gueule en direct. Je te coacherai par l'oreillette. D'accord. Et tu iras te faire payer des cafés que tu me ramèneras après. J'ai acheté tes contacts. Ouais. Tu iras chez les contacts de Romano. Karim fera les tests des conseils pas chers en direct. Ouais. Il va prendre des risques. C'est intelligent, ça, Romano. Comme ça, si ton conseil pas cher foire et si ça part en couille. Bah, je dirais que c'est de sa faute. Voilà, c'est clair. Bien vu. Skyrock, les conseils pas chers de Romano. Romano, ça t'a excité, ça, hein, d'entendre de l'argent qui tombe comme ça sur Skyrock. Ouais, maintenant je vais en gagner, moi. Combien je vais en gagner? Bah oui, combien?
Bah, je vais y aller par 50 euros, moi. Ah ouais, c'est moins. C'est un peu moins gros, ouais. On y va par 50 euros et on va où ce matin? Eh bien, on va aller faire un tour chez nos amis les nordistes. Big up le Nord. Voilà. Bah, big up le Nord. Ah. C'est parti, les nordistes, on y va. C'est les conseils pas chers. 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 C'est une vraie chorale maintenant. Hein. Ouais, c'est bien, ouais. J'ai l'impression d'être au Stade de France. Il y en a deux de plus là, mais on a l'impression d'être dans un stade. Oui, on a l'impression. J'ai cru que c'était Eminem qui était au Stade de France. Non, ce n'est que moi, le prince du hip-hop. Prince du hip-hop. Romano. Et roi des conseils pas chers. Ouais, et là, ce week-end, bon, il y avait la braderie de Lille. Hein? La grande braderie, hein? Hein? Alors, 2,5 millions de visiteurs. Hein? Et d'exposants. 9 tonnes de moules. Ah ouais? De manger, hein. Non, mais à manger, ouais. Cédric. Ah, d'accord. Putain, j'ai loupé un truc, moi. T'as un détraqué sexuel, toi. Bah, attends, 10 000 exposants, hein? Ah. Et ben, ce matin, il faut nettoyer tout ça parce que bon. Il y a des saloperies par terre. Ouais, ils ont nettoyé, pareil, cette nuit, vous me disiez, nordiste. Ouais, mais pas assez bien. Alors, on va bien nettoyer. Je suis le nettoyeur. Je vais demander aux familles la participation financière. Ouais, parce qu'il faut payer. Ouais. C'est la taxe spéciale. Bah, c'est comme ça. Hein. Eh oui, la taxe de nettoyage. C'est Romano le nettoyeur. Vous savez, c'est comme les films américains qui font peur un peu. Ouais. Romano the nettoyer. Yeah. T'as, d'ailleurs, j'ai un ami à nettoyer. Je te le ouais, présente. Ouais, mais il y a trop de boulot, là. Tout à l'heure. C'est qui qu'on appelle, Cédric? Là, on va chez Christiane. Christiane. Ah, ça sera Sarah, finalement. Allô, Sarah? C'est comme tu veux, Cédric. Oui, oui, bonjour, Sarah, bien? Oui. Ah, parce que, en effet, tu as choisi Sarah parce que ça nous permet de faire une blague. La blague. Ah, eh oui. Salut, Sarah. Bon, dis voir, c'est les nettoyeurs de la ville. Oui. Oui. Et là, ce matin, bon, ce week-end, il y a eu la braderie, tout ça, là, les rues sont dégueulasses. Ouais. Ouais. Ce matin, monsieur s'est cassé une jambe en glissant sur une moule. Eh ouais. Eh oui. Une coquille, tout ça, tout un bordel. Ouais. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que là, on va venir te voir. Là, je suis avec un collègue. C'est moi le collègue. Il aspire. Ouais. Ah, pourquoi j'aspire? Mon nez. Mon nez. Allô, Sarah. Aïe. Oui. Oui. Donc on va venir te voir. Là, on va passer le balai. Par contre, il y a une taxe spéciale, c'est 50 euros. Hein. Ah oui. Eh oui. Ah ouais. Eh oui, ouais. C'est ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est la douloureuse, comme on dit. Eh oui. Uh-huh. Donc on va arriver d'ici 5-10 minutes. Ouais, d'accord. Eh ben, je te dis à tout de suite, ma belle. À tout de suite. À tout de suite, tu nous prépares un petit café quand même. Oui, pas de problème. Ah bah c'est bien gentil. Éventuellement, on mangera ta moule, non, c'est ça, non. Non, ça, non. Non, c'est pas ça, non. Eh ben, éventuellement, on se reposera un peu chez toi. Ça fera un peu plus cher du coup. Oui. Ah, non mais c'est toi qui dois payer. Ah, ah c'est ouais. Un peu plus cher. D'accord, très bien. Donc on pourra payer. Cédric, il y a une dame de. Ouais, je vais aller. C'est, ah, fou, bah, c'est très gentil, Sarah. Ah, salut, Sarah. Gros bisous. Et ça peut raccrocher maintenant. Ça raccroche. Raccroche. Oui. Ah, qu'est-ce qu'on rigole. Non mais c'est super parce qu'en plus t'as trouvé une dame pour Cédric. Ouais. T'as génial. T'as récupéré. Voilà, j'adore payer moi. Voilà, ça va aller. C'est magnifique. Les conseils pas chers une fois de plus. Bravo. Merci. Bravo, merci. Bravo, 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 Romano. Ah, applaudissez-moi encore. Oui, applaudissements pour toi. Oui. Romano, c'est tellement une pince qu'il est devenu chauve pour pas payer le shampoing.